Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les druides, comment ça va? Aujourd'hui, je vous présente Super Mario Bros. Wonder sur la Nintendo Switch. Et oui, il est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 20/10/2023. Le jeu est disponible au prix de 59,99€ sur l'eShop. En version boîte, je sais pas, il faudra voir en magasin combien il coûte. En tout cas, c'est super joli au niveau cover, on va voir un peu ce que ça donne. Donc au niveau des langues, allemand, anglais, japonais, tout ça, il y a le français, c'est ce qui nous intéresse, t'as le portugais, t'as le russe. Au niveau de la classe d'âge, Peggy 3, et c'est exclusif sur Nintendo Switch. Retour à la 2D dans Super Mario Bros. Wonder, ça fait plaisir. Alors ça va en ravir certains et d'autres pas, et bah tant pis. Donc voilà le roster au niveau de Super Mario Wonder. Donc c'est pas mal, ils ont vraiment intégré Toad, Toadette, Yoshi, tout ça. Moi j'adore, Carotin et tout, c'est vraiment merveilleux. Enfin moi j'aime bien. Et bah du coup on va jouer Luigi, je l'ai pris au hasard, j'ai pas choisi mon personnage. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai vu sur l'affiche, parce que là je suis sur le Nintendo.fr, qu'il y avait plusieurs types de transformations. Alors je sais pas si on va les voir là, je sais pas ce qu'on va voir, mais on va le voir en tout cas. Donc B pour sauter, évidemment. A, il ne fait rien. Y ne fait rien. X, ok, ça me sert. Quand je l'appuie en prolongé, d'accord, ça me permet de faire quelque chose, mais pour l'instant, je sais pas quoi ça me sert. Donc, ZL, m'accroupir. L, pour l'instant, il sert à rien. ZR, sauter comme ça. Donc, ça, c'est pour les ennemis. Et R, c'est pareil. Ok, d'accord. Alors, est-ce que c'est pareil pour chaque personnage? Je ne sais pas. À tester. Donc là, si j'appuie sur Y et que je cours en même temps, ça me permet de voler. On retrouve un petit peu les bases. Ça fait plaisir. Oh, Mario. Wouhou. Ah, les personnages parlent. En tout cas, c'est super kawaii. C'est assez chatoyant sur mon écran, là. On a de super belles couleurs, franchement. Il n'y a rien à dire pour le moment. Oh, 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 l'intro des blocs, hein. Y a pas à dire, un petit peu de sentiment, mais franchement, nickel. Ah ouais, rien à dire niveau intro. C'était le roi Bowser, n'est-ce pas? Comment ose-t-il voler notre fleur prodige et notre beau château? Et dire qu'il a fusionné avec notre château des fleurs pour devenir cette horrible chose? On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. C'est tout le royaume qui est en danger si on ne fait rien. Vous allez nous aider? Oh merci. J'aimerais vous servir de guide, si vous êtes d'accord, juste un instant. Ah, le prince Florian va nous aider. Magnifique. Franchement, il est super beau. Hein. On compte tous sur toi. Les voix qui ont été ajoutées aussi, ça fait plaisir. Ok. Donc, M1 pleine des tuyaux. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. En fonction de mon plaisir. Donc, c'est parti. Donc premier pas au royaume des fleurs, difficulté 1. Donc là t'appuies sur A, ok. Appuyez sur B pour sauter, maintenez le bouton pour sauter plus haut. Ok, bah ça je vous l'avais pas dit, maintenant vous le savez. D'accord.
Donc il y a forcément des easter eggs qui sont planqués un petit peu partout. On connaît un petit peu Mario. Bon là je suis Luigi mais ça change pas grand chose. Ok. D'accord, donc là il n'y avait rien. Mais du coup on peut aller chercher les pièces là-haut. C'est super réactif. Donc là j'y joue avec le pro contrôleur moi de mon côté. Ça parle. Là ça dort. Je sais pas pourquoi ça dort. Mais c'est pas grave. Ok. Donc là je suis un éléphant maintenant. Ah ouais. Ok. Donc là qu'est-ce qu'on peut faire avec l'éléphant? Ok, donc on a la trompe qui nous sert. Ok. Pas mal. Donc c'est une nouvelle venue. On récupère. Et là, t'as vu sur la droite, c'est-à-dire que si je perds mon éléphant, bah, je vais pouvoir le récupérer. Ok, donc là l'eau. Et ma trompe elle est pleine? Non? Ah ouais, ouais. Elle est remplie d'eau. D'accord. Et du coup j'ai des pièces qui arrivent. C'est magnifique. Bon, ce qui est dommage c'est que j'ai Luigi et c'est marqué Mario là. C'est un petit peu dommage. Et sur la casquette c'est marqué quoi? Oh, Luigi, ouais. Ouais, c'est bizarre. Donc là on va récupérer des pièces comme ça. Ok, on en a 10, il faut récupérer. D'accord. Ah ouais, ils prennent tarot là. Magnifique. Donc là, un checkpoint. Là on récupère encore un éléphant. Ça s'est joué tout seul, hein. Franchement. C'est bien géré. Donc là. Ok. On va aller la toucher, on va voir un peu ce que ça donne. Ok. D'accord, ouais c'est un peu... Ah d'accord, j'ai récupéré ça là-haut, donc là je vais attendre. Je pense que ça sert à ça, c'est pour récupérer ces machins-là. Et du coup, comme le monde il est un peu zerbi, voilà. Certainement un truc à récupérer. Ouais, excellent. Donc là c'est un peu ce qu'on avait vu dans la démo. Là on va aller chercher la fleur là-haut. Et je pense qu'on peut l'avoir que dans ce mode-là. Voilà, donc là on en a 3. Et on a fini le monde en gros. Bon, j'ai quelques petites saccades. C'est pas méchante. Une baisse de framerate. Pas des saccades, mais plus une baisse de framerate. Graine prodige. Donc j'en ai récupéré une. Donc ce qui arrête le monde de ouf. Ah, on est vraiment dans le thème de l'eau. Ok, prodigieux. Et bah ça se laisse manipuler tout seul, hein, que ça soit Luigi, tout ça. Je sais pas comment ça va être avec les autres. Donc là j'ai récupéré la deuxième. Ok. Stage terminé. Bah niveau maniabilité ça va. Au niveau de la DA, franchement, le fait de retrouver de la 2D ça fait super plaisir. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. On va voir un peu ce que ça donne dans les autres mondes. On va pas se laisser. Alors youpi, les graines prodiges vont nous être très utiles. Allons en obtenir d'autres. Ok, vas-y. Le prince Florent. Oh là là, ça va en deux spi là. Oula. Ok, donc j'ai appuyé sur A et on rentre dans le nouveau monde. Le Parade Piranha. Difficulté 1. Donc en plus je garde la forme de l'éléphant. Et là je peux changer. Ah, très joli comme ça, moi j'adore. Ok. Donc il se détache. Ah, ça saute bien haut là. Ok. En fond là-bas c'est super joli hein. Si tu regardes le second plan là, c'est super beau. Là je récupère ça. Donc j'aurais pu très très bien rester en éléphant, mais là le jeu conseille d'être en mode feu. Là je peux rentrer dans le tuyau rouge, ok, bah depuis tout à l'heure j'essaye. Ah, on est derrière là-bas, regarde, là tu me vois mais en arrière-plan, ok. C'est puissant ça, si on peut jouer avec tous les plans. Là il y a quelque chose à récupérer par là. Ok, là j'ai pas pris les dernières pièces par contre. Donc on est derrière. Avec, là on a vu, hein. Du coup on voit juste l'ombre comme ça, donc c'est pas mal. Ah, ça promet du lourd, hein. Franchement. Là les premiers niveaux, ça déboîte. En plus il parle, Luigi. Ah non, c'est pas Luigi, autant pour moi. Ouais, c'est lui, j'ai eu peur. Et là je sais pas si je peux monter là-haut. Bon, ça m'étonnerait, mais... Non, je peux pas. J'aurais essayé. Là, il y a la fleur à récupérer. Petit personnage qui parle, ça fait plaisir. Ah, là, il y a un truc, là. Je sais pas à quoi ça sert. Une vie. Oh, bien. Là, je crois que je peux... Bon, là, je peux pas les enlever. C'est dommage.
Ouais, je peux pas là. Là, on est coincé. Ok, donc le monde va se transformer. Il va falloir que je récupère une graine. Donc là, il y a qui? Ah, oh, d'accord, tout le monde chante. Avec l'arrière-plan là. Merde. Donc là, on va appuyer sur A et on récupère. Ok. Le monde défile. Ah, ça rigole plus là. Ok. C'est un peu what the fuck. J'avoue, ils sont partis dans le turcule. Pourquoi pas hein. Donc je sais pas vraiment c'est quoi le but là. Hein. Je joue mais je sais pas du tout. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a... Ah ok, là j'ai récupéré la graine. Une graine prodige au plus. Mais je sais pas pourquoi c'est là en fait. Pour le moment j'ai pas trop compris le délire. Faut juste qu'on récupère des graines. Ah il est stock celui-là. Et là on peut pas y aller. Non, il n'y a rien à récupérer. Oh, d'accord. Donc je pense qu'il va y avoir encore des trucs à... Un peu comme dans tous les Mario. Ok. Bah franchement, nickel, hein, c'est archi fluide et tout. Pou pou pou. La direction artistique, moi j'aime bien. Et le fait de retrouver de la 2D comme ça, rien à dire, hein, c'est impeccable. Au niveau de la maniabilité aussi. Et le sound design est pas mal. Au niveau du son, franchement, c'est bien rythmé avec le jeu. Bon, après, il y a juste un peu le what the fuck, là, quand on touche la fleur et qu'on arrive dans un monde un peu enfantin. Mais Mario, c'est pour, aussi pour les enfants, c'est pas que pour les adultes. Donc, il en faut pour tout le monde. Pourquoi pas, je te dis. Voilà, tout simplement. Donne un coup de trompe Y qui est fait le même en position. D'accord. Oula, on a un nouveau truc, là. Qu'est-ce que c'est que ça hein. D'accord. Ça, c'est si je veux récupérer ça. Et là, je suis redevenu... Pas mal ça. Bah, viens par là toi. Donc là on récupère quelques. Là c'est des tonneaux mais du coup faut être en mode éléphant. Si t'es pas en mode éléphant ça sert à rien. Ok donc là je pense que tu peux l'avoir comme ça. Hein. Ouais voilà. C'est un peu plus long mais c'est pas infaisable. Voilà. Hop, toi tu me saoules. Et on redevient un éléphant. Donc c'est une sorte de super pouvoir hein, si on peut le voir comme ça. Par contre t'as vu, quand tu fais ça, tu récupères des pièces. Du coup ça va te donner 100 pièces. Et 100 pièces c'est une vie mémoire. Allez viens par là toi. Allez viens par là toi. Attends on va vite super vite là. Ouh là on a du mal par contre. Ok. La carapace. Ok. Bon ça c'est comme d'hab. Moi, je vais récupérer les pièces là-haut. C'est bien, c'est qu'on peut revenir en arrière. Ouais, j'ai une petite baisse de framerate là quand je vais trop vite. Alors, est-ce que c'est lié à mon écran? Je sais pas si vous le voyez. Je vais rester au record quand je vais faire le montage de la vidéo. Pour le moment. Ok. D'accord. Donc, lui, normalement, je peux le choper. Bon, je vais pas le choper là, mais normalement, je pense que je peux le choper pour l'envoyer ailleurs. Donc, un tuyau rouge, je peux rentrer dedans. Et il y a quoi là? Ah, ouais, il y a lui. Tiens, prends ça. Il va falloir que je sois super balèze. Merde. Ah, ça va être chaud, là. Je sais pas si je vais y arriver, là. Il n'y a pas assez de place. Non, il faut arrêter un éléphant, là. Je sais pas. Ouais, c'est bon, j'ai eu. Bon, il suffisait un peu d'entraînement. Et du coup, il y en a... Tu vois, il y a 10, 10, 10. Donc, il faut encore que j'en récupère une. Putain, mais ils sont partout, là. Ah c'est pire que les frères marteaux. Castor là. Père Castor, allez viens par là toi. Là il y en a un là. 103, 104. Donc là je peux pas rentrer dedans. Ok, le petit bruit derrière, t'as vu? Hier, bam. Un peu comme au cirque. Tac, allez. On peut le récupérer par là. Ah ça fait plaisir, hein. Ça joue tout seul. Hein. Ah ça après c'est les premiers niveaux. Hein. Donc là tu donnes un coup de trompe avec Y. Oula. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas le renvoyer directement vers lui, tu vois. Après, il y a peut-être moyen, hein. Pas test non plus. Hein. Donc là, on a récupéré les 3, ok. Donc ça, ça va peut-être nous servir. C'est une sorte de monnaie des gens, je pense. Et si je saute dessus, est-ce que je peux le rattraper? Putain, prends un éléphant sur toi, là. Ok, donc là, je peux pas le rattraper. Non, je peux pas.
Ah, là, il y a la fleur. Oula. Oh, ouais, il est chaud. Tiens, prends ça. Ok. Ah, ouais. Ah là, je suis super machin. Oh, purée. On l'avait pas encore vu, ce mode-là. Hein. Ok. Ok, là, je l'ai défoncé, le mec. Ah ouais, là, ça va super vite. Là, ça fait super plaisir. Allez, viens par là, toi. Allez, viens là. Voilà, graine prodige obtenue. Nickel. Par contre, ouais, j'ai quitté le mode, c'est un peu dommage, parce qu'il me reste encore un peu de time. Et le fait de pouvoir venir en arrière, c'est pas mal, si t'as oublié des bonus et tout. Si tu veux game un peu. Bon, ok, il n'y a pas grand-chose, là. La petite baisse de framerate. Ouais, bon, après, je pense qu'il y aura des correctifs. C'est assez suivi, les jeux Nintendo. Franchement, ah, là, ils ont bien travaillé. Hein. Pour terminer sur la fin de vie de la Switch, c'est pas mal. Voilà, ce sera encore des jeux, je pense, mais... faire des petites fleurs. Ah, merde. Ah, je me suis niqué tout seul. Et la boule, elle est où? Elle est pas là. Elle vient par là, toi. Ah, là, on a bien vu. Hein. Là, le ralentissement, moi, je l'ai vu. Allez, on y retourne. Bon, on n'aura pas tout, mais c'est pas grave. Eh, franchement, ça joue tranquille. Hein. Là, 16 minutes de jeu. Impeccable. Tout récupéré. Ça se joue, mais vraiment tranquille. Après avoir la durée de vie, parce qu'on est quand même sur 60€, mais bon, on est sur un jeu Nintendo qui est bien fait, Super Mario Bros. Wonder. La petite image d'une action, là, aussi, c'est à préciser. Et là, les mondes, ils sont super jolis, hein, franchement. Attention, je pars pour Nintendo, de base. Hein. Oh, oh, voilà qui me plaît. Je ne fais plus qu'avec le château des fleurs et toute cette puissance prodigieuse. Mes forces, je les sens décuplées. Je vais mettre le monde à genoux. Bouah! Le fort buzzer. Voilà. Petite animation. Le prince là. Ce maudit Bowser va tout détruire. Hors de question de la laisser faire. Nous devons trouver un moyen de l'attendre. J'ai trouvé, on va le rejoindre par une fleur hélico. Ok, je connais pas la fleur hélico. On appuie sur A. Une fleur apparaît. Ouais, je pense qu'il y aura au moins DLC, un peu comme ce qu'on avait eu, Bowser Fury, un truc du genre là-dessus, c'est sûr. Ok, donc là on arrive dans un nouveau monde, on a fini... Enfin, un nouveau monde, façon de dire, mais on va découvrir des nouveaux trucs. Donc là, il empeste tout le monde avec son truc. Paf, ça va se transformer, évidemment. Ok. Donc là, on a des fleurs. Oh, oh, mon papounet s'est transformé en forteresse. Il est tellement balèze comme ça que plus personne ne pourra l'arrêter. Et un jour, il va gagner, c'est sûr. Ok, ok. Là, on arrive avec la petite fleur. Et regardez-moi un peu les détails et tout. Franchement, c'est super beau. C'est de pire en pire. En fait, quand ils volent vraiment, la Switch, elle peut cartonner. Mais alors, quand ils volent pas, laisse tomber. Les développeurs, regarde comme cette plante est enroulée autour de cette maison. Ah oui, là, on va pas pouvoir faire grand-chose. Ah, j'ai une idée. On a qu'à utiliser une graine prodige. Ok. Je parie qu'elles vont venir à bout de la plante. Elles sont très puissantes, après tout. Why not? Vas-y, go. Donc là, j'appuyais sur A. Une graine prodige. Donc j'en ai 6. Ok, là j'en ai 10. D'accord. Donc là, j'ai un cadenas avec 10 et 14. Pavillon à battre, j'ai plein... Ok. On va aller voir. Je sais pas ce que c'est. On a débloqué quelque chose. Ah, d'accord. On peut peut-être tenir un petit cadeau mystère. Un truc. Tout va bien? J'ai si peur, j'ai cru que j'allais perdre les pédales. Mais j'ai pu garder ce prestigieux badge à l'abri. Quel badge? Ah mais oui, les badges, ce sont les objets aux effets variés dont on peut s'équiper. Tous ceux qui voyagent dans le royaume des fleurs aiment beaucoup les utiliser. Oh, Prince Laurent, si je peux me permettre, j'aimerais vous donner ce badge. En tant que grand dignitaire, je suis sûr que vous saurez le faire le meilleur. Vous saurez en faire le meilleur usage. Un peu de mal. Ok, donc on a un badge casquette, nickel. Ouais, ça ressemble à... Je sais pas ce que c'est. Paravoile ou je sais pas quoi. Ah mais c'est génial. Pour tout avouer, j'ai toujours rêvé d'en avoir, d'en mettre un. Je pourrai sûrement me rendre utile grâce au pouvoir de ce badge. Alors, vraiment merci. Ok, donc on va combiner les powers. En acceptant ce badge, c'est à moi que vous faites une fleur. Le jeu de mots. Prince Florent. Les badges vont vous faciliter la vie, n'hésitez pas à vous en servir. Ok. Yoho. Ah, t'as vu un peu? Donc ça, j'ai fait ça avec R. Il faut l'appuyer sur R, oh le truc, excellent.
Ok, donc là. Ah non, j'ai pas fait avec R. Attends, on va le refaire. J'ai fait de la merde. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Ok. Ok, donc appuyez sur R et du coup. S'envoyant en l'air avec R. Ok, donc là on a quoi? Un nouveau monde. Regarde un peu cet endroit. De grands espaces verts, du vent. Ah ouais, c'est chaud. Et une autre de ces maudites plantes. On est bon pour aller récupérer des graines prodiges. J'avoue. Bon, on commence par aller où? Si tu veux consulter la carte, appuie sur L. On va appuyer sur L, on va voir. Donc là, il revient en moi. Et si on appuie sur L? Ok, on a la carte. Ah ouais. Donc c'est pas mal. D'accord. 10, 14... Ah, oh, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait... Ah, ok. D'accord, là, je suis revenu. Ah, yes. D'accord. Donc là... Trappe. Là, je les ai terminés, terminés. Là, j'ai pas terminé. D'accord. Ok, c'est pas mal. Bon, là, je retourne là-bas. On va voir. On passe d'un monde à l'autre. De toute façon, on le voit, hein. Toujours en background, là. Au second plan, on voit où on va... Où on atterrit. Tout simplement. Et là, on va se faire celui-là avec les rhinos. Puis après on va peut-être se laisser là quand même. Ça fait déjà quelques vingtaines de minutes qu'on est ensemble. Alors R avec le badge, ok. Et pourquoi pas un autre épisode. Oula, il y a des rhinocéros. Oula, il sait même faire lui. Ah oui d'accord. Et lui on peut le buter ou quoi? D'accord, je peux rien faire. Par contre lui il peut me tuer je pense. D'accord. Puis il pète tout. D'accord. Ah oui, ça je veux bien. Je pense pas que c'est ça qui va m'aider à tuer le rhino mais. Ouah putain. Ok. Oh ouais, c'est chaud. Oh putain, un escargot. Donc ils font quoi ces escargots? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Attends, j'ai... Ok. Donc là, il va me falloir un rhino pour péter ça. Parce que moi, pour l'instant, je suis pas rhino. Attends, ça bouge là. Attends, il y a quelque chose qui va sortir. Ah. Ok. Donc ça, je peux pas faire ça avec ça. Ah, là, il y a... Oula, 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 oula. Ah ouais, bah, pétez, pétez-vous entre vous, mais... On va aller bouger, parce que... Ok, donc ça sert à ça, la voile, hein. Si t'as pas compris. T'appuies sur R et tu sautes. Hop. Là, il y a de l'eau. Ah ouais, ça joue tout seul, hein. C'est super beau, les petits dessins et tout, là. Ah ouais, cool. Oh, j'en ai pas fait exprès, là. Oula, c'est quoi, ça? Oh, je les connais pas, eux. Ah, c'est un petit bon de bonus. Oh, ça fait plaisir. Ah, ils ont caché plein de trucs comme ça. Bon, laisse tomber. Il va y avoir de sacrées vidéos sur Internet. C'est obligé. Bon, je prends mon temps, mais... Ok. Et là, il va pas falloir se rater. Et voilà. Encore une de prise. Là, on arrive là. Ah, il y avait un truc... Je peux pas, là. Ah, quoique. Oh, attends, ils sont combien, là? Non, il faut venir par là. Ok, et là, il y a ça. Non, bah, c'est pas trop par là que tu voulais jouer avec ta... Viens par là. Pêche-toi. Ah, ils sont un peu cons, quand même. Ok. Récupérer ça. Oula, ah ouais, ça repop. Ouh, c'est chaud. Donc il y a pas de timer. Je suis monté là-haut. Ça c'est bien. Hop. Putain. Ok, donc là ils m'ont pété. Impec. PSV framerate là, on le voit bien. Ah, et moi je sais pas jouer. Ok. Alors là, est-ce qu'il y a un autre... C'est quoi ça? Ouah, c'est du délire! Merde! Oh, putain, j'ai perdu là! Aïe, le monde des fleurs. Donc là, on va récupérer une graine. Je sais pas comment. Donc là, le troupeau est passé derrière. Ah ouais! Ah, c'est un monde dans un monde! Et il est où mon 2 là? Reviens! Ah, je suis même brûlé le machin. Oh, c'est du délire.
Ah zut, j'ai perdu. Ah là, j'ai perdu. Il va falloir que je recommence le niveau, là. Oh non. Oh, c'est abusé. Ok, donc lui, est-ce qu'il va venir par là? Ah, ça, je sais pas s'il va venir par là, lui. Oh, si. Oh, mais viens par là, toi. Voilà, comme ça, on va récupérer ça. Oh, je prends tarot, là, dans ce monde-là. Ok. Non, là, il n'y a rien. Donc là, j'ai loupé la graine machin truc. Hein. Donc, faut recommencer le monde. T'as pas le choix, de toute façon. Là, il va m'en donner une, peut-être, parce que du coup, je l'ai aidé, mais il m'en manque une, en tout cas. Ouais, c'est ça, il m'en manque une. Je l'ai pas récupéré à temps, mais le 3, il s'est barré, là. C'est pas ma faute. Donc, il y a encore d'autres transformations. Ouais, d'accord. Le petit screenshot, là, qui fait plaisir. Donc là, il faudra la recommencer. Et là, les hippos. Voilà. Donc, peut-être un épisode 2, je sais pas. En tout cas, moi, je suis super agréablement surpris par Super Mario Bros. Wonder. Retour aux sources de la 2D qui fait plaisir. Différentes transformations. Un monde super kawaii, hein, super chatoyant et tout. On peut un roster qui est énorme. La maniabilité, il n'y a rien à dire. Au niveau du sound design, pareil. Hein, c'est super. Ouais, c'est super. Hein, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Un petit peu de sentiment, un petit peu de baisse de framerate. Ça, un petit peu chiant, mais du coup, je suppose que ce jeu-là, on le reverra sur la future Nintendo Switch. Enfin, la Switch 2, si tu préfères. Ça, c'est sûr. Pour une meilleure qualité, on l'aura en version HD, un truc du genre. Différentes transformations, on n'a pas tout vu, là. Attention, on a vu quelques trucs, mais rien. On a vu l'éléphant, mais je sais qu'il y a d'autres choses. De toute façon, si tu vas sur la fiche produit Nintendo.fr, tu le verras. Différentes transformations, on a vu avec la fleur et tout. Mais je sais qu'il y a encore une autre fleur à récupérer pour une nouvelle transformation. Donc, et la durée de vie a l'air d'être assez conséquente. Il y a quelques heures de jeu. Je sais pas combien là comme ça. J'ai pas les informations et tout. Et il faudra que je termine le jeu aussi pour vous le dire. Parce que moi j'ai pas un méga niveau sur les Mario et tout. Et après il y en a qui vont le speedrun. Donc ça va être super super cool. Mais là tu vois par exemple je cours. Donc là regarde. Hop, et dès que j'appuie sur Y. Les petits effets comme ça, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de couleurs parmes je trouve. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. C'est pas pour me déplaire non plus. Hein, mais je trouve qu'il est assez parme au niveau des couleurs. Mais en tout cas, c'est super chatoyant. Ça fait plaisir. Et bah, je te dis à la prochaine sur Yata TV. Salut!